3, 2, 1, let's go! Yeah! On vient de se réveiller à ce petit spot là, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a les poteaux qui ressortent, bon là c'est un petit peu utilisé comme étant noir pour nos vêtements. Et après il y a un autre jump ici. J'arrive pas trop à me réveiller, du coup je vais sauter dans l'eau froide pour me réveiller. Oh, ça saisit. À Chambéry, il a fait la même là. Il s'est réveillé, il a fait le rope swing. Oh non. Oh non, il veut que je saute aussi. Oh oui. Oh non. Oh yes, Félix. Non, vraiment, j'ai full naked parce que j'ai pas de... j'ai pas d'habit. Oh yes. Part, hein. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh non. Ça saisit, hein. Viens le faire en duo. Yes, tu... Allez. Bon, à Charbon, on a eu un peu de mal avec les téléphones dans l'eau, du coup on a investi dans un petit sac. Et t'en ça va le faire. Sinon, ciao l'iPhone 11. Ciao l'iPhone 11, sinon. Là, je vais devoir le lancer dans l'eau, Léo. J'ai trop peur. Genre là, je vais juste jeter le téléphone, quoi. Ça va être terrible. Bon, du coup, on s'est chauffé sur ce petit spot ce matin-là. C'était bien cool pour balancer quelques accros. Et là, il y a un petit rocher qui nous fait de l'œil, donc on va aller voir ça. Et s'il y a moyen de balancer une petite accro, ça peut être bien cool. Attrape avec tes mains, s'il te plaît. Non, vas-y. J'ai trop peur, mec. Oh, putain. Oh. Bon, là, je suis juste en dessous de toi. Je vais faire une petite coulée pour voir s'il y a du fond. C'est un peu la base en cliff. Hein. Je fais toujours des coulées pour savoir le fond. C'est un peu la seule règle. Hein. Normalement, il y a du fond sur celui-là. Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois. Bon, c'est cool, il y a du fond, il n'y a plus qu'à monter et à sauter. C'est parti. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Félix? Mais je me suis fait attaquer par une poule sauvage. Je m'emmerde, j'ai coupé le bras. J'ai eu trop marre. Je me suis fait attaquer par tous les animaux. C'est trop marrant parce qu'en montant là avec les gars, on a trouvé un petit nid d'oiseau. Il y a des petits œufs qui sont posés. Bon bah voilà, le seau il est juste là, on va le mesurer. D'abord on va vérifier s'il y a pas... Ah oui. Si ça a bien marché ce truc. Hop, là c'est bien mouillé. Ouh yes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bah voilà. Mais dis, ton tel il est intact, il n'y a pas une goutte d'eau. Mètres. Ouais, ça fait trop bien, je fais kiffer. Yes! Je pense que ça part en accro. Hein. Ah ouais? Allez. Let's go! Ce qui est trop cool dans cette carrière, c'est que vu que nous, on a l'habitude de cliff dans des carrières qui sont encore utilisées, bah là, vu que celle-ci, ça fait longtemps qu'elle est abandonnée, il y a toute la nature qui a pris le dessus. Du coup, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit vraiment sauvage. Ça fait bien kiffer en vrai. Ça va, il y a moins d'airtime que quand on a fait le 20 mètres avec les gars. Bon, du coup, le saut ça l'a fait crème. J'ai encore jamais fait ça, mais je vais essayer de le faire en salto avant. Donc, je pense que ça peut être stylé, mais ça fait peur parce que quand t'arrives là, tu vois pas trop l'eau. Du coup, faut bien doser dès le départ en fait, sinon c'est la merde. Allez, let's go. Ok, 3, 2, 1.
3, 2, 1, let's go. Oh, il était trop cool. Ah, c'était une dinguerie ce saut. En plus en front là, ça fait une autre sensation. Franchement, c'était trop cool. Yes. Trop de faire d'autres cliffs là. Bon, la session s'achève là sur ce petit 15 mètres. Et franchement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. On vend plein de vêtements, plein de posters. À dimanche prochain. Allez, let's go. Ciao. Oui. Let's go. Ah.